Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur DeadStyle et aujourd'hui on va attaquer déjà avec la construction de la base. J'ai fait un petit stock au niveau du bois. J'ai besoin de ça simplement. Et puis j'ai encore du bois ici. On va déjà s'entourer avec des murailles pour voir la place qu'on a. Le truc également, c'est que j'ai trouvé énormément de choses comme ça et énormément de pièces de rechange comme ça. En allant là-haut sur l'île radar, là, notamment dans la base du radar. Donc c'est vraiment très intéressant d'y aller. Je vous montrerai ça si on a l'occasion. Alors le truc là, c'était... Ouais, c'était ça, comme ça. On va essayer d'englober au max. Je vais regarder un petit peu, a priori. Je pouvais englober le rocher. Est-ce qu'on peut construire directement dans le rocher? J'ai l'impression. On va essayer de s'encastrer le truc dans le rocher là. On baisse un peu et on pose. Parce que je pense pas qu'on puisse monter ici. Je pense pas que ce soit possible. Donc on profite d'un élément naturel, un rocher. Trouve que c'est pas mal. Donc hop, c'est parti. Ça donne le premier mur d'enceinte de la base. Et ça va, ça dépasse pas ni rien. C'est bien dedans, hein. Donc parfait. Ensuite, on passe au suivant. Pas mettre la porte de ce côté-là, je vais la mettre de l'autre côté comme ça. On va pas nous tirer dessus. Éventuellement, hein, bon, c'est jamais, hein. Ça peut se produire quand même. Pour l'instant, j'ai croisé juste un gars qui avait fait la mallette. Il l'a fait régulièrement d'ailleurs, j'ai l'impression. Attention, on va essayer quand même que ce soit à peu près de la même taille pour pas que ça fasse trop moche. C'est-à-dire comme ça, et je pense que c'est très bien de toute façon. Nickel. Alors ensuite, ça a commencé à tourner. Ah oui, il y avait un hélico à aller faire aussi. Là, ça m'y fait penser, il y en a un qui vient d'apparaître. C'était intéressant, il n'était pas si loin que ça. Est-ce que j'englobe tout ça? J'ai l'impression que c'est mieux d'avoir de la place, hein, que pas assez. Là, ça baisse d'un coup, c'est pas cool là. Du coup, je partirais peut-être plus comme ça. Mais je baisse un peu. Léger. Et ça le fait. Voilà. Pour l'instant, les coups partent quand même pas mal. Ça nous donne ça. Bon, donc la porte, on la ferait plutôt là, dans l'autre sens. Comme ça, à chaque fois, on prend un bateau et puis. Et puis, on est tranquille. On va essayer de remonter un peu. Et là, pour l'instant, ce qui est surtout embêtant, c'est que le mur, il s'affaisse un petit peu quand même. Pas qu'il soit trop bas non plus. Là, ça semble correct. Là, ça va être le moment de tourner. On va tourner à partir d'ici. Pas trop violemment pour vraiment englober quand même un peu la plage. Après, comme ça, je vais me mettre un collecteur d'eau. Et puis, ça a une drôle de forme, hein. Ça fait quand même vachement ovale. Bon, un collecteur d'eau, ça sera bien. On aura de la flotte à profusion. Encore un petit peu haut.
ça me semble cohérent. On poursuit là, on va bien tourner. Et de toute façon, là, on peut pas vraiment aller très très loin. C'est bloqué ensuite. Bloqué par l'océan, je pense. Enfin, par la mer, quoi. En gros. Comme ceci, ça paraît encastré, hein, je pense. Ouais, ça me fait une bonne place là, malgré tout. Ça me fait carrément une bonne place au centre. Donc, c'est très bien. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrête à un moment et qu'on ait de quoi faire la grande porte, parce que pour la placer, c'est mieux. Hein. Plutôt que laisser une place et que ça n'aille pas. Je préférerais la placer tout de suite, donc il faut aller chercher des batteries, quoi, en gros. J'aimerais faire ça. D'autant que là, on va être à l'endroit, justement. Là, je vais avancer, puis encore là, un petit peu peut-être. Mais après, c'est ici qu'on pourrait débarquer. Parce qu'on est vraiment pas susceptible d'être visé par qui que ce soit. Quand on débarque, du coup. Ah, alors on m'a conseillé d'aller chercher ces cargaisons, là. Puisque c'était pour des matériaux de construction. Globalement. Là, c'est bien. Où est-ce que c'est arrivé? Eh ben, c'est juste là en dessous. Ce serait peut-être pas mal, hein, en fait. On fait une petite pause. On va dire, on se fait une petite pause comme ça. Mais, problème. Problème, il faut encore utiliser le bois. Bon, on va se dépêcher. Donc, j'ai dit, j'avance encore de 1. Voilà. Ben ça, on le met ici. On vérifie que c'est bon. Et ça l'est. Ici, il y aura la porte. Ensuite, autre côté là-bas. Donc actuellement bloqué par le rocher comme ça. Jusqu'où ça va pour englober le rocher? Ça va jusque là, ok. Donc je descends. Et ça me paraît pas mal. Ah non plus, hein, c'est pas possible de monter. Et le rocher, on peut monter dessus là. Vas-y, essaie un peu. Mais après, c'est plus faisable. Il me semble qu'on pouvait là. Ouais, voilà. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, ouais, c'est bien. Et du coup, bah, je vais retourner encore une fois. J'espère que là, ça va être bon pour pouvoir poser le reste et qu'on puisse y aller. Faudrait qu'on se trouve un bateau. Bon, j'en trouve facilement, mais des fois, bah, il suffit d'avoir pas de bol. Et puis on n'en trouve pas. C'est pas le problème. Ouais, allez. On va voir ce qu'on peut poser. Bon, on pourrait peut-être commencer à poser une structure juste. Ou deux. Ce genre là. Pour pas avoir de soucis, je vais mettre à cette hauteur là, pour être sûr. Parce que ça monte encore un peu là. Voilà. Ça c'est ok. Bon, du coup je peux en mettre plus même. Ouais, on reste à une hauteur correcte. On a de la place par là. Et on peut reposer un dernier truc et on est bon.
va poursuivre par la suite. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Pour essayer de trouver éventuellement des petits coffres enterrés. Du coup, je vais emporter ma pelle. Et bah, je vais garder ça parce que j'ai plus de place quand même. Ah si, 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 c'est bon. Donc on va plutôt partir comme ça. Ok, encore une mission difficile accomplie. Ah oui, faut que je pose la hache. Donc on a dit, on va chercher ça. Là on est bon. Le bateau, des fois, il est juste là-bas en face. C'est pour ça que je me suis installé là aussi. C'est intéressant parce qu'il y a souvent un bateau sur le bord. C'est pas toujours, c'est souvent. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aller dans le village qu'il y a là-bas, du coup. Et puis chercher si on trouve éventuellement un petit coffre enterré. Allez, dis-moi qu'il y a un bateau qui spawn là, ça serait génial. Comme ça, je serais débarrassé du problème. Oui. Donc c'est parfait. Et au passage, on va voir ce petit campement là. C'est l'occasion. Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu. D'accord, d'accord. Tu as une escouade qui arrive là? Et ouais, maintenant ils ont souvent ça. Tiens, je vais le prendre d'ailleurs. Ils ont vraiment des trucs meilleurs qu'avant, je trouve. Il y a eu quand même du changement. Et tiens, attends. Toi, tu vas me donner du chiffon. Voilà. Comme ça, on aurait fait un petit plein. Du bois non, on va pas prendre quand même. Un canard, on pourra toujours le bouffer. Et une grosse bouteille en plastique, c'est mieux que ça. Eh bien, parfait. Et en plus, on peut embarquer. Donc là, je crois qu'il faut entrer. Ouais, j'aurais pu passer par où j'étais, c'est mieux. C'est mieux au final. Là, je vais faire un grand détour. Ok, on le voit d'ici, c'est parfait. Hop, pourvu qu'il y ait des bons trucs. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est une pile. Il faudrait que ça m'indique quelque chose aussi. Pour l'instant, il m'indique rien du tout à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Des clous, peut-être. Des piles, peut-être. Des composants. Des clous, effectivement. Ouais, c'est bien. Un truc en fer, d'accord, ouais, c'est bien aussi. En plus, il y a de la bouffe, un gun que je n'avais pas. Ah, c'est bien, hein, dis donc. Ce gun-là, il vaut quand même de l'argent. D'accord, d'accord. Hop, en pilon. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Bon, on est déjà fou, là. Donc, bon, à savoir, là, on récupère quand même 44 clous. On a deux plaques. On a ça.
intéressant comme tout, hein. On va se rapporter ça à la base. Oh, et puis après, on va aller là-haut. Avant que ce soit la nuit. Comme ça, en même temps, je pourrais refouiller la base là-bas. Moi, ce qu'il me faut, c'est des piles, hein, là. Clairement. Ça, c'est ce que je ne trouve pas, par contre. Donc, je peux pas faire de serrure. Me semble que j'en avais trouvé une autre. Mais j'ai dû mourir entre-temps. Et dans le premier épisode, je suis mort deux fois. J'ai dû perdre ça, peut-être. Il me semblait avoir eu ça. On va poser, déjà. Hein. J'espère que j'aurai de la place, par contre. Sinon, j'agrandis légèrement, à la limite. Déjà, on voit qu'effectivement, on est bien à l'abri, à part que du dessus, quand même, on peut nous voir quand on arrive de là. Mais c'est à peu près tout. Et sinon, ça nous refait 99 clous. Et rien que ça, c'est très bien. Alors, j'ai plus de couteau. Ça, par contre, je vais le récupérer. Je vais boire et bouffer, hein, comme ça, on va pas garder. Parce que sinon, on a plus de place. Faire de la place là-dedans. On n'a pas le choix. Alors je sais pas comment on va encastrer les trucs là-dedans, mais on trouvera bien. On va trouver une solution. Là, par exemple. Si je fais ça. Ah, ça s'encastre. On va avoir des parties un peu mûres. Mûres de pierre. Ça peut être pas mal. Ça peut être original. Ok, t'as encore besoin d'un peu de bois. Voilà, et comme ça, je commence à me débarrasser là-dedans. Parfait. Ça se pose tout seul pour l'instant, le dénivelé nous embête pas. Ah, j'ai fait avancer automatique, c'est pas ce que je voulais. Vous voir. Super. Bon, comme je pars là-bas, j'ai besoin de place, j'ai posé la pelle. Je vais pas prendre toute la bouffe. Je vais continuer hein, malgré tout parce que je m'en sors pas. Ok, ça je peux le poser. Ça commence à aller un petit peu mieux. Pas encore au top, mais presque. Là derrière. Parfait, on avance bien. C'est pas tant de bois que ça finalement. Mais quand même. À la limite, je vais mettre des murs sur le bas de ça parce que. Faut pas passer en dessous en gros. Comme ça, ça me débarrasse un peu. Ça me fait de la place quoi. Nickel. Y a encore ça à poser. Aïe aïe aïe. Je vais manger ça. Comme ça, on sera ok. Ouais, je vais peut-être boire ces deux-là. Je veux encore deux places. Et j'ai plus tant de balles que ça, hein, au final. Je vire ça. Voilà, je vais faire comme ça. Comme ça, ça me paraît très bien.
Ça c'est ok, on va mettre de l'essence. Les coca c'est bien parce que ça nourrit un peu aussi. Voilà. Donc là on est bien. Alors après j'ai mis des murs là mais j'aurais peut-être pu m'avancer encore de 1. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que là j'avais de la place, mine de rien. Bah un truc que tu peux faire, c'est quand même remettre de l'essence, comme ça on s'en débarrasse au passage. Je pense qu'il y a deux fois à remettre là. Ah non, qu'une fois. Ok, pas grave. C'est parti. Il reste deux missions, je sais pas si elles seront encore là quand on arrive. Hein. Bon là on arrive vraiment au soleil couchant. Hein. Y a pas photo. Et je vais faire la 3 chevrons. Même si c'est vrai que tout seul c'est un peu délicat parce que ça arrive de partout sur cette mission là. Comme on prend toute l'aggro. Mais c'est joli le soleil là. J'espère qu'il va rester un petit peu quand même. Ne te couche pas trop vite s'il te plaît. Ah il est bas, hein, la vache. Terrible. Non, l'autre n'a pas... Je pensais que c'était l'autre qui était inabouti, mais ce n'est pas l'autre. De la lumière, please. Encore un peu de lumière. Ah là, c'est la mienne. Ouais. Donc il reste que celle-là. Celle-là, c'est encore bon. Pour combien de temps, par contre? Là, c'est tout le problème. Ok. Dommage, je l'ai même pas tué. Wow. Vite ça, hein, c'est bon. Bon, évitez ça. Surtout que ça arrive des deux côtés. Reculez. On s'est embarqué dans un truc qui pue. Heureusement, il vise mal pour l'instant. Faut que j'aille me planquer un peu là pour me soigner d'une part. J'étais trop à découvert, c'est ce que je me disais. Faut pas qu'il y ait tout le temps qui me sorte dessus, hein, là. Il est obligé de... de contourner largement, la vache. Ouf! Alors, attends. Parce que j'avais même pas fait ça, en fait. C'était le problème. Ah, on a de l'essence. Super. Hop, c'est pris. Je pense qu'avec ça, ça ira. Bon, j'en ai tué genre un, je crois. Je pouvais plus recharger. Ils vont nous faire l'honneur de nous suivre jusque-là. Ah ouais?
même pas marrant. J'ai l'impression qu'ils encaissent mieux les balles qu'avant. Un assaut là, qui traîne. Attention. Combien que vous soyez mort. Parce que mes balles, elles partent vite. Donc, merci beaucoup. On va essayer de re-rentrer. Là, on en a tué 2-3. Ouais, c'était compliqué, hein, la vache. J'ai failli y passer. J'ai une petite lumière là-dessus. Ouais. C'est quoi la lumière déjà? Je sais plus. T. Ouais, c'était. Si jamais on n'y voit plus rien. Ouais, les autres sont retournés se planquer, en gros. J'espère, en tout cas. Là, on peut faire un point de fixation depuis l'intérieur. Ouais, là, il n'y a personne. C'est encore là, hein, la mission, rassure-moi, ouais. Ok. L'objectif, c'est... faire ça et de se casser. Ils sont là-bas. Pour l'instant, ça c'est pas mal du tout. Faut surveiller là sur le côté. Bien ça. Il n'est pas touché. Allez, touche-le, s'il te plaît, merci. Non, là-bas, au bout. Ok, ok. Nickel. Il repart. Bon. Il y a eu l'afflux. Peut-être c'est passé. Il y en a un derrière là. Et là j'ai des corps pour me refaire des balles. Dommage, on l'a raté. Il ressort pas, hein. Donc je vais me faire des balles sur les corps. Si on peut. Et pour l'instant, j'ai pas eu une clé. Je pense que ça a été vraiment réduit. Peut-être aux hélicos, hein, d'ailleurs.
à voir si c'est vraiment réduit cette fois uniquement aux hélicos. Ouais, ok, ouais, ça je prends les balles quand je peux en trouver parce que toujours bon. Les plaques, ça va par contre. Ah. T'es proche, lui, Dion. Quoi. Sérieux, la vache, c'est parpillement des balles. J'ai l'impression qu'ils sont blindés des fois. Il y en a un qui a contourné par là. Ah ouais. Oh putain. Il me gêne lui. Bon, ça vient pas. Ok. Ouais, ça patrouille un peu. J'ai vu passer là-bas derrière, ouais. Mais j'ai l'impression que là-dedans, c'est mieux. C'est bien ça. Ah ah ah. C'est parti. Dommage. Ok, gaffe, hein. Venir là, lui. On est bon, on est bon. Ils sont plusieurs quand même. Maroc, ça me tire dessus encore. Peut-être il m'a vu de ce trou là. Cette petite embrasure. En use de là-bas là, mine de rien. Je crois qu'à un moment j'en avais 300. Et décide-toi. Merci. Merci pour tout. J'avais déjà, mais je prends. Ok. C'est dur là dans l'état de corps. On a encore un tout petit peu de lumière, faudra en profiter. Là-bas.
Oh, il peut pas me tirer dessus ou... Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais incroyable, mais en fait je suis surpris par le nombre d'impacts de balles qu'ils prennent sans mourir, sans tomber. Ok, lui c'est bon. Putain, mais t'en faut combien en sérieux? Waouh! Alors, il nous reste encore quelqu'un puisque ce n'est pas terminé. Où se planque-t-il? Ok. Wow. Toi, t'as combien avec ton arme là? 58, 41. Me récupère ça. Voilà. On est pas loin d'avoir fini. Voilà, on a fini. Ok. Et la caisse est là. Et après, on fouille un petit peu tant qu'il fait encore jour pour voir si on récupère des éléments. Alors, il faudrait absolument récupérer une pile. Une pile serait. Oh, un scar. Waouh. Oh, c'est énorme ça. Scar pris. Excellent. Il va là-dessus, il va là-dessus. Waouh, bonne caisse quand même. Le Scar là, mine de rien. Un nouveau casque lourd à la place de mon casque abîmé. J'ai tout bouffé, tout boire. On a des bonnes caisses, hein, je trouve là. En fait, il y a une époque, je trouvais les caisses moins bien. Là, j'ai l'impression qu'ils ont remis un peu le paquet dessus parce que. Bah, c'est bien, on se récupère des bons trucs. Voilà, c'est dommage de voir ça quand même. C'était quand même dommage, hein. Pas non plus abuser. Et par contre, celui-là, je crois que j'en avais un. Je vais faire ça aussi. Voilà, ça laisse trois places. Si jamais je trouve des trucs bien. Notamment si on se trouve, on découvre c'est bien, mais si on se trouve, ne serait-ce qu'une pile, bah j'attends la fin de la nuit et puis on va se clôturer la clôture. Et déjà c'est un grand pas de fait. Ouais, genre je vais aller dans les bâtiments comme ça là. Et après on ira voir dans la tour radar. Je vais faire le port aussi, il y a des ateliers. L'essence que j'avais prise, ouais. On va faire ici sur ce port-là. Ensuite on monte. Bon, on s'éclairera comme on peut. Hein. Juste une, ce serait bien. Ouais, déjà voilà, on commence à prendre des trucs comme ça. Ah là ça aussi, purée, comment on fait?
On va bouffer encore ça. On va attendre. On va courir un peu. Et bouffer et boire quand on aura faim et soif. Mais on voit que ça se couche. Ça allume une petite lumière. Ah, ce bruit. Je vais voir si mon bateau est encore là. Donc, il y a toujours ce truc-là. Si mon bateau est encore là, on le prend pour aller débarquer plus loin. Comme ça, il bouge. Oh la vache! Bon, bah, je bouffe ça et comme ça, je récupère la bouffe là. Ah, dans le jeu, le problème de la nuit, c'est que bah, il fait vraiment nuit en fait. Il y a pas de doute. Tiens, au passage, je vais faire ça, tant pis, je l'utilise pas. Hop. Bateau. Es-tu là? Il est là. Il y a un hélico trouvé. Ça aurait été bien de faire un hélico. Notamment pour les clés. Bon, il est pas loin de ma base. Il y a souvent un hélico près de ma base. Eh, dis donc. Intéressant. Donc, c'est fréquent. Ok, j'ai tout mis. Je vais y aller, comme on voit rien, je passe les moments où on voit vraiment rien. Et puis j'espère que dans la base radar, là, je vais récupérer pas mal de choses. Voilà, bon, je pense que c'est encore visible comme ça quand on a la lune qui est claire et tout, j'espère. Hein. Et sur les intérieurs, surtout que c'est chaud. Ok, on va s'arrêter là, tranquille. Ah oui, c'est celle-là. Oula. En plus, je suis pris pour cible, je sais pas d'où ça tire. Là. D'accord. Dur à voir, hein. C'est bon. Ah, je tire complètement au pif. Écoute, alors, ramène-toi. Hein. Ouais, je le touche, hein, des fois. Pour les voir, c'est quasi impossible alors qu'ils vous voient très très bien. Là est tout le problème, quoi. Bon, mais je me suis soigné. Nous, on est venu là pour avoir des piles. Et ça serait dommage de mourir de ça alors que c'est des nuls, mais que juste on les voit pas, quoi. Beaucoup en plus. Écoute. Allez, bâtiment, pas le choix, on fait comme ça. Waouh. Alors, ce qui est intéressant. Tous ces trucs-là, là. Et il y en a sur cette île. Un paquet incroyable. Et alors, notamment quand on monte au niveau du phare, je vais vous montrer parce qu'il y a tous les ordinateurs à fouiller. C'est un truc de malade.
Simplement, ce qu'on n'a pas, c'est une putain de pile, quoi. C'est incroyable, là. Les autres, tu les trouves par paquet de 20, quoi. Et la pile, bah non. Il doit y avoir un truc, hein, pour les piles. C'est pas possible autrement. Putain, ça éclaire, mais genre à peine, quoi. Tu peux les cumuler, s'il te plaît, au lieu de que ce soit à moi de le faire? Ça va être très très bien. Bon. Je monte là-haut pour vous montrer. Ok, donc là-haut, c'est là. Là où on voit. On essaie de voir. Vous voyez ce petit endroit-là? C'est une porte. Incroyable là. Ah, ça fait pas semblant d'être dans le noir ici. Je sais même plus où sont les trucs d'ailleurs. Une porte normalement. Ouais. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer des composants comme ça. Alors des fois, voilà, dans ces ordis là, hop, vous allez retrouver trois trucs d'un coup, vous voyez. Mais le truc c'est qu'il y en a partout. Hein. Il y en a énormément. Là, il y a encore un truc. Il y a du câble. Là, on aperçoit quelque chose. Des balles, mais je vais peut-être pas avoir la place, je n'ai pas. Ouais, ce qui fait que les composants... Bah, c'est tout bon, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, mais par contre, je trouve qu'il fait 10 fois trop noir. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a plutôt bien avancé. On continue comme ça la prochaine fois. Allez, salut!